T'as d'idées. Oh non, pas ça. Bonsoir! C'est pas Bob Lennon. Bah continue, t'as bien lancé là. Ouais, mais je suis déjà lancé beaucoup trop loin. Oh, bon allez. C'est pas mon job! Il y a toujours Heureusement qu'il y en quelqu'un a qui qui a une bossent corde ici. de monture pour l'attraper là. Un harnachement. Ouais. Un acharnement. Ah tiens, il y a un mec, il est russe. Bon, soit. Bah écoute, comme des millions de Russes. Mais non, mais Spécificité c'est que. russe. Non, c'est pas ça, c'est que des caractères russes. On... Du Peut-être pas le cyrillique. O. Ah, du cyrillique, je cherchais le mot, mais bon. Peut-être qu'il s'appelle Cyril. On a vu cet après-midi que j'étais pas très bon avec le dictionnaire, alors bon. Si je m'attaque en plus au cyrillique. Sans commentaire. Bon, bonjour, bonsoir, bonjour. Je pense que je vais acter le fait que je dis bonjour à partir de maintenant et puis c'est tout. Que toi plaise. Ouais, c'est mon gimmick à moi, personne ne me le vole. C'est bonjour. Voilà, c'est presque comme Roche-Beaubois, mais en fait c'est pas ça, donc ça Ouais. sera C'est pas Sanson non plus. Allez, c'est parti, on fait une vraie intro. Bonjour tout le monde, ici Yakipon pour Ivasan Studio. On se retrouve ce soir sur Dofus. On est avec les mêmes, pardon, j'ai eu une absence et personne ne m'a aidé, mais c'est pas grave. Je suis donc avec Jake. Imagiro et Loulou. Bonsoir. Donc au programme, Loulou, je te laisse la parole, hein. C'est toi qui dis tout ça, nous on est au courant, mais Donc bon, on c'est mieux que ça soit va toi. commencer par le donjon de Moon et Moumoune. Moumoune. finir les quêtes de l'île de Moon. Yay. Ensuite, on va enchaîner avec le donjon du Carnosaur, qui est J'ai jamais sur fait celui-là, je la crois. Moi non presqu'île plus. des Dragueufs. Ouais. Et ensuite, on va continuer les quêtes d'alignement. D'accord. Ah si, c'est bon. Et Dieu sait qu'elles sont trop bien, les quêtes d'alignement. Ah, je les Oui, déteste. j'ai trop envie de voir mayonnaise. Oh. Petite question préalable. Attends, préalable. Il y Combien a que C'est Mimi bon, à c'est la bon, base ça! d'Aiden. Voilà. Ça peut... Répète ta question, je suis désolé, je te prie. Combien avez-vous de bananes agrumes? Zéro. Une. Je Attends, regarde. Oh, je j'en vais ai faire comme deux. Chais. Norman fait des vidéos. Zéro! D'accord. Voilà. Ouais, super. Moi, j'en ai deux. Ok. Ça coûte cher? Oui. Bon, 800 comme ici. Ça coûte 1 million de dollars. Est-ce que Il en faut quelqu'un peut combien? téléporter au donjon de Moon? Oui. J'y vais sûr. On a besoin de combien de bananes? Il en faut 8. Chacun? On va Il en peut-être faut en acheter. 8 pour rentrer dans le donjon? Non, Non. non, non, c'est C'est pour une pour autre quête. chose. Mais... Bah avant de TP, je vais pas ça. Mais non, Avant de non, c'est TP. bon, n'en achète pas, c'est bon, je les ai toutes. Ah, bon bah d'accord. Il est trop fort. Pourtant, je voulais manger mes 5 fruits et légumes, moi. Moi, je mangeais une Accepté. pomme. Oh, la grande porte, dis donc. Oui. Oui. Pour un boss si petit. C'est King Kong. Ah non, c'est Mini Kong là, c'est. Mais il voit pas à quoi il ressemble le Moon. Il y a le poteau pour attacher la fille pour que Pardon? Et Mais ben t'as pas vu King t'as Kong, pas le vu King film? Kong? Ah d'accord, ok, j'étais là, Ici mais là. ça y est, Dofus est un jeu sexiste. Non, et ça Je depuis vois pas en quoi si peu attacher une longtemps. fille c'est sexiste. Pas attacher un mec et c'est pas. Tant Je que la sais pas. personne est consentante. Bah ouais. Oula, et on va se calmer et on va rentrer dans le donjon, d'accord? Tu connais pas l'art du Shibaru? Du Au Shibaru? secours. Un Shibaru, c'est un chien Shiba qui est roux? Oui. Non. C'est quoi? Je te laisserai chercher comme un grand. Oh. Bah alors, il n'y a pas comment qu'il y ait des lacunes. Ouais bah attends, c'est du japonais, c'est pas du français là. Ouais, ben, excuse-moi, mais Le aboré, Shibari, pardon. personne n'utilise ce mot. Le Le Shibari. Shibari, pas le Shibaru. C'est oui, le Shibari. Oh, c'est Jap, hein, ça se termine par I-O-U. Oh, voilà. Et l'espagnol, c'est que des O. Japonais. C'est du bondage japonais, du Kimbaku. Est-ce qu'on est Ou obligé de savoir ça Kimbaku. maintenant? Viens, rentre dans le donjon. Oui, utiliser le trousseau de clés. Il y a un monstre, il te donne une quête, fais gaffe.
type de bondage sexuel ou non japonais qui peut entrer dans le cadre des jeux sadomasochistes. Est-ce qu'on est obligé de dire ça en live? Bah, c'est pour la culture, comme ça au moins les gens ils cherchent pas, ils tombent pas sur les images. Mais après ils se débrouillent. Hein. Mettez-vous en navigation privée. Aïe aïe aïe. C'est parti. Attends, ah, c'est direct, hein, on attaque dans. Okay. On m'a dit qu'il y avait un mob qui donne une quête. Mais regarde la demoiselle, elle a un point d'exclamation, ah oh là là. Il faut tout expliquer, hein. Quelle quête? Mais, oh putain, j'en peux plus. C'est la première vanne de la soirée, vous arrivez pas à suivre. Eh ben. C'est Guillaume qui demande, il fallait prendre la quête. Bah oui, mais c'est un point d'exclamation, en fait. Mais vous voyez pas qu'il y a un point d'exclamation sur la demoiselle? Ben non. Bah non. Ah si, là, ok. C'est nul. Bah excuse-moi, j'essaie de me mettre au niveau de tout le monde. Oh bordel, ah oui. Attention, ça a usé le couteau mort. Mais c'est un point d'exclamation rose, ça veut dire quoi? Rose. Oh, il est noir, il est pas rose. Bah c'est sur un truc rose. Oh punaise. On fait l'échelle sur la... Ah, ce serait bien au moins de faire nomade. Oui, si, ouais, nomade. C'est quoi nomade? C'est, il faut utiliser tous les PM. Dodo. Bah c'est pas... Dodo. Mais c'est pas... Mais c'est pas le Pikachu. L'invocation est elle est aléatoire, l'invocation. Ah, celui-là, c'est la première fois que je le vois, j'ai dit, attends, ils ont changé. Mais moi, je voulais le Pikachu. Bah t'inquiète pas, il y en aura dans le dos. Je voulais le Pikachu. Non, tu l'as pas fait quasiment de tout, Ori, t'as pas le droit de le faire pour Dofus. D'accord, bah tu maintiens toute la voix pour tout Dofus. Ça va être insupportable. Oui. Avec trop chiant quoi. Alors ce carré c'est un glyphe et si je bouge ça fait un truc spécifique. Alors excuse-moi. Utilise tout tes PM dans tous les cas. Excuse-moi. Mais retire de la portée. C'est pas trop un carré ça quand même hein. C'est un Allez. Carré horizontal. Quoi? Un carré diagonal, pardon. Comment? Équipement, tu peux me dire où est-ce qu'on non. enlève les montures? Oh non, tu veux pas chercher, j'en ai chié moi pour trouver. Menu d'option. Intérieur. Bah merci. C'est fonctionnalité ou performance? Carte du monde. Ah, c'est le dans fonctionnalité, combat, et c'est le troisième. Fonctionnalité, combat, afficher, monture. Ah, merci. C'est plus pratique, ah, on est hein. beaucoup mieux. Ah, mais oui, hein. Sur le coup, hein, on change tout. Oui, je me moque encore. Et alors? Kikui. Et. Tu sacrifies ton tofu? Oui, pour éviter qu'il te bouffe. Ah, oui, c'est lui qui nous, si nous mange, il nous OS. J'avais pas vu qu'il y avait un obstacle. Il nous huissait, oui. Arrête! Il nous unité centrale. Allô, centrale! Il nous union soviétique. Bon, je pense que je vais couper le stream et je vais juste faire des câlins à ma bougie. Hein. Ma mère, je... Attends, dégage toi. Bougie fleur de lotus ce soir, tiens donc. Ah, elle est bien celle-là. Ben en fait, je viens de me rendre compte que je l'avais même pas utilisé une seule fois. Donc en fait, s'il faut, la mèche va pouvoir me faire la tête du démon. Et ça, Dodo. Me tarde. Focus le gloutovore, ce serait... Oui, ben on est un peu loin. J'ai pas trop de portée. Ouais, j'ai un truc qui s'appelle la portée aussi. Bon, en vrai, il me manque 3 PM pour le toucher. Sauf qu'à cause de ce glyphe en plein milieu, c'est un peu compliqué. Allez. Allez, les bleus! J'ai pensé à la même chose. Je le savais. Elle était insupportable, ce plus. Ouais. J'ai des petites latences quand même. Hein. Pas moi! Et pourtant, sur un stream. Oh, regardez, qu'est-ce qui est écrit? 1,3! Oh, bien joué! Je vais me mettre là. Ne te suicide pas! Oh là! Oui, t'as le droit, oui! Tue-le! Ouais, tue-le, ouais. Encore! Oh là là, mais quel homme! Ça, c'est le nouvel cas. Qui en doutait? Qui en doutait? Moi. Tout le monde!
Oh mais arrêtez de m'enlever des PA et de la vie aussi si vous arrêtez de jouer. Ouais, mais des vilaines herbes là. Elles sont fourbes. Ouais, c'est vraiment des fourbes. Attends, j'ai envie d'invoquer d'abord ça et après le bruit insupportable. Ah. Et ensuite, t'arrives là. Et tu fais ma 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 ma. Et après, tu fais ma 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 ma. Voilà. Super oh. Quoi. J'aime bien que la fourbasse fasse un bruit de cui cui cui. Cui cui cui. Waouh, ça c'était une croix. On voit le mec qui joue à Dofus quand même. Hein. Il savait qu'il pouvait faire ça. C'était prédit. Oui. C'était écrit dans les livres. Hein. TPM. TPM. Waouh. Waouh. C'est censé représenter une fougère. Oui. Non. Oui, non. On n'est pas d'accord, d'accord. Eh, super, on a déjà réussi. Ouais. Oh là là, tellement de l'XP. Oh, non, attendez, je n'accepte pas. Je vais dans mon menu de Dragodin. J'enlève toute l'expérience. Et maintenant, j'accepte. Et ouais. Ah, oh, il y a des trucs qui collent. Trucs qui collent. Cronge. Non mais... J'aime pas les vaudodindrons. Ah. Ah. Allez, moi je vais là, hein. Bisous. Alléluia. Ciao les gars. Mourez bien. Guillaume, il y a un tas, parce qu'il joue juste avant toi. Il attend encore, il attend encore. Ah ouais, il va t'attirer. Ouais. Allez, mourrez que... tous, hein, bisous. Oh. C'est bon, on peut ne pas faire les challenges. Mais oui. On peut intouchable. Intouchable avec les fourbasses, c'est compliqué. Elles ont 20 000 de portée. Et oui, 20 000, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'elle peut toucher quelqu'un qu'on combat à 8 cases à côté, tu vois. Les mecs qui prennent des dégâts, ils comprennent pas. Ils disent, je pense que c'est quoi, peux... Je pense que tu peux rajouter des cases en plus. Il y a Kipon qui doit achever tout le monde. Non. Attends, depuis quand je suis plus petit? Il y en a qui ont joué sans moi. Hein. Il y en a qui grandissent plus vite. Hein. Ouais, non, il y en a qui ont joué sans moi, c'est tout. Hein. Ça fait des bêtises encore. C'est pas grave. Je vais pas me mettre à pleurer. Mais si tu peux taper le Gloutovore, c'est bien pour oui. Tout le monde. Oui. Mais je l'ai pas à la portée. Ah mince. Alors ça, avec ta griffe jouée, j'ai envie de dire calomnie. Mais je l'ai pas à la portée. Eh bien tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Mais vous avez moi? Bah non. Ne pas marcher dans le glyph rose. Ça fait quoi? Ça fait que tu restes collé pendant 20 ans. Ça te retire tout tes PM. C'est comme 20 000 cases, mais avec des années, donc c'est un peu chaud. Oh non, je vais pas avoir la portée dessus. Tant pis. Non, là, ça craint, quand même. Et j'ai pas assez de PA... Parce que... Les fourbasses, c'est insupportable. Punaise. Oh, super. Là, je me sens en sécurité, là. Tu fais un libé sur la personne, sur une glyphe. Oui, ça fonctionne, oui. Mais il va pas faire ça, là. Il va faire une jolie croix et se barrer très loin. Mais pas trop loin non plus, parce qu'il va...
Bah tu peux te mettre juste derrière. Hein. En vrai, il peut juste bouger gauche. De 1 PM et puis il est safe. Ouais. Hein. Voilà. Il est tranquille. Pourquoi lui? Pourquoi lui? T'enlèves que des... T'enlèves 100 PM. Genre, c'est vrai que les mecs se sont dit, bon, un jour, t'auras 100 PM, donc vas-y. Waouh, il est trop fort, il passe sur cette case rose, mais rien ne l'arrête. Ah, ok. J'ai 2 PA, autant les utiliser. Et Glunk. Yes! Et bon appétit, bien sûr. Bah là, on va en suivre. Là, ça va être dur. En gros, le Gloutover, c'était Maïté, et moi, j'étais Languille. Là, il faut tout bourrer, là. Là, faut tout mettre dessus, messieurs, dames. Si tu mets un tofu, il Ah, il le mange, entièrement. Hein. Il se régénère entièrement. Bah, je crois. Il prend le tofu et il le mange. Il le fait griller, d'abord. Il le fait griller, d'abord. Ouais. Par contre, ça n'arrangerait que le tube, parce que sinon, on est vraiment dans la mouise. C'est bon, je pourrais peut-être la faire. J'aime bien le peut-être, ça me plaît pas, ça. Là, je préfère, au moins, on est sûr. Aïe, 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 quel enfer, ce jeu vidéo. Caramba. Aïe, aïe, si. Tiens, j'ai 101 PM, ça fait pas assez, je trouve. Tu vois, ils avaient prévu que t'aurais plus de 100 PM. Mais qu'il est bête. On va faire ça. On va faire... Bon, en fait, je peux les tuer. Ah non, je ne peux pas. Attends. Oh non. Un tofu? Ouais, j'ai trouvé que ça. Il va disparaître? Bah non, il va juste mourir en fait. Il avait trop de vie. Ce loot. Mais il y a pas de Strogo là. Oui, mais il n'y a pas de. Point d'exclamation. De demoiselle. Donc en fait, on verra jamais Pikachu. Mais si. On verra pas Pikachu. Mais moi, je veux un Pikachu, wesh. Comme couette. Putain, il y a un Gloutover par combat. T'inquiète pas, la prochaine salle, il y en a deux. Combien de PM ce truc? 12. Tu peux me mettre là ou pas? Tu penses? Oui. Bah tu joues avant lui, donc ça va. Oui, mais je... Ouais. Crunch. Pourquoi je joue avant toi cette fois-ci? Parce que j'ai pas tous les PV. Bravo. Ah bah super Nils. Bravo pour la caméra, je te remercie. L'appareil photo. Il est foutu, mais c'est pas grave, hein. Non, ne bouge pas, putain. Ah bah t'es vraiment quand même... Ah bah c'est bien l'Astrogo. Ah, c'est drôle. Kawabunga. Le cri des ninjas. Le cri du ninja. C'est quoi qu'il faut faire? Chaque personnage doit avoir achevé un adversaire. Il faut tuer. Non, on le fait pas, Mets-toi ici, essaye de taper le bon temple. Ah. C'est pas grave. Pas ouf. Ah ouais, mais moi je me sens bien là aussi, je me sens bien entouré. Les griffes joueuses.
C'est pas taclé là. Mais non, je suis pas taclé. Ah. Mais vous allez manger? Mais non, vous allez jouer avant. Et il faut suivre là, hein, bon. Je sais, oh là là. Oh là là. Oh là là. Le monde est à toi. Le monde est à nous. Le monde est à toi et moi. Tu peux nous le refaire? Non. S'il te plaît. C'était tellement impressionnant. J'attendrai qu'elle refasse, parce que du coup j'ai oublié. Avec le cocotos là. Ce sont des dostrogos. C'est des dostrogolos. Ils sont potes avec vos nusos. Ouh. Alice. Ouh. On n'est jamais sponsor, c'est chiant. Hein. T'imagines la sponsor? On est sponsor Alice. Il y aura des pubs à partir de la semaine prochaine. Mais encore une fois, des pubs caricaturales, pas des vraies pubs. Chut, faut pas le dire. D'accord, des vraies pubs. Des vraies pubs bien créées. Ouais. Parce que nous faisons la culture, ne l'oubliez pas. Ouais, voilà, ça. Voilà, ça fait la culture. Écoute, il y en a une. Ça fait partie. J'ai tourné un bout d'une fausse pub. C'était quand j'étais allongé à la sortie de l'opération. Donc, je l'avais écrite avant, il fallait que je la fasse à ce moment-là. Je l'ai faite à ce moment-là. Boum. Big Shaq. You don't know. Boom. Vlu. The thing goes tra. Papa papa. Ce qui lui dit papa. Ce qui va être papa. Un thing goes tra. Boom. C'est insupportable. Ce qui a. Tout tout pou pou boum boum. Les mecs ils trouvent que c'est du génie, mais je ne comprends pas. Il y a une musique, enfin un style de musique que je comprends pas. C'est Aya Nakamura. Ah, ok, alors il y a deux styles de musique. C'est Weshden. Ok, alors il y a trois styles de musique. Non, c'est les percussions brésiliennes là. Les percussions brésiliennes. Comment ça s'appelle? Non, ça c'est Sébastien. Non, ça porte un nom, j'ai oublié. Des percussions brésiliennes. Oui, comme au carnaval du Brésil, de Rio, c'est que des percussions comme ça. Ils appellent ça de la musique, mais moi j'appelle ça du bruit. Les vouvouzelas. Ah, non, ça c'est autre chose. Ça, c'est un instrument diable, ça. Non, je vois ce que tu veux dire, c'est vraiment que des tambours et. Oui, mais ça. Et ça se joue pendant des minutes et des minutes et des minutes, voire des heures. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Ben non, moi je trouve pas ça si désagréable. Passer ton tour sinon. Il le fera pas parce qu'il veut jouer, d'accord. Regarde, il joue. Et là, il cherche. Qu'est-ce que je peux faire? Très beau tour, Chacha. C'est utile, attends. Et là, la carotte. Ça faisait longtemps. Ouais. Ça faisait longtemps. Et paf. Oh. Petite canine là. Check. Le Batucada. Voilà. Batucada. Batucada? Mais non. Mais qui est con? Ah! Il y a une demoiselle. Est-ce qu'elle est jeune? Elle recherche un mec mortel. Ça y est, ils ont compris. Comment il s'appelle, le gars? Il avait un nom un peu chelou, ouais. Je rigole, si rouge, je vais te goumer. Quoi? Je déteste ce verbe aussi, quoi. Mais c'est pas un verbe.
C'est un mot inventé, oui. Ça n'existe pas, le verbe boumer. C'est aussi, oui, bah, c'est aussi inventé que hein. Malaisant. Oui. Cet enfant est vraiment con. Alors je confirme, goumer n'existe fais pas. Fais un balai, voilà. Pour le moment. Pour le moment, ce n'est qu'une pour question de temps, tu verras en 2030. Oh merde, il y en a deux. Allez, je vais rester derrière, bisous. Oui. Non, Guillaume, mets-toi derrière toi. Non. Ouais. Bah non, il peut se barrer, ouais. Il pourra se... Louis, tu veux pas attaquer d'abord? Louis, tu veux pas attaquer d'abord? Ouais, tu veux pas faire une croix? Tu veux pas les one-shot? S'il te plaît, one-shot-les. Bon, et elle a intérêt à faire un Pikachu, sinon je quitte le combat. Hein. Contre pistache. Le charme. Allez, fais un Pikachu là. Allez. Bah attends, c'est... Pikachu. Mais. Dolivar. Dolivar. Ah mais non, donc. C'est un mélange entre le dollar et le bolivar. Ah oui, alors c'est ça qu'il fallait que je regarde déjà. Oh couverte. Non. On peut pas, c'est Covid. Pour l'instant. Mais on peut toujours pas, c'est toujours Covid. Il y a des concerts COVID. En ligne et virtuels. On a dit que c'était un sub goal donc. Oh t'inquiète pas, il sera fait celui-là. Mais si tu le mets à 2 euros, je à 2 centimes, ouais, ça va être bien. Je m'arrangerai. Ah non, tu le mets au celui-là parce que je veux vraiment pas y aller. Genre il y aura un con mort de rire dans la salle, ce sera moi. Hein. Tu préfères voir Aya Nakamura ou Hera? Ou Aya Nakamura. Ah merde, je m'as compris. Aya Nakamura, quoi. Voilà. La topia Aya Nakamura. Eh, Aya Nakamura. Et on est dans la mouise. Oh là là. Bon, je vais essayer de taper celui. Oh. Ah oui, mais en fait, si on le tue pas sur ce tour-là, l'autre, c'est mort, quoi. C'est mort pour tout le monde. Le 16 décembre à Toulouse. Ouais, mais j'aimerais bien vraiment tuer lui, quoi. Et tu te mets là, et à la fin du tour, tu te caches ici. Je répète pour les viewers. Le 16 décembre à Toulouse, concert de Hera. Lié à partir de 45. Est-ce que tu comptes faire une croix? Ouais, je peux essayer, ouais. Ah mais non, mais lui, il va avancer. Il a fait une croix dessus, alors. Non, attends, lui, il va avancer, ça me plaît pas. Au revoir, vite, je fais ça, vite. Oh, no! I failed. C'est un peu énervant de pouvoir attaquer qu'en ligne à distance. Change de perso. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, je suis con. Mais je voulais un Pikachu. Bon, par contre, j'espère que vous êtes prêts pour la stratégie du Moon, parce que... Mais une Kawatt devant toi, lui. Ouais, mais il va venir me tuer. Voilà, là, il est tranquille. Ouais, moi, je vais mourir. Oh, non, mais t'aurais pu t'avancer un peu plus. Mais quel conne, ça. À l'aide. I'm gonna die. Thomas, tape le tout va. Hein. Si ah bon peux... Oui, tape le tout. Mais je vais mourir. Mais oui, il va mourir dessus là. Et je peux pas en plus, puisque il est pas, en... Je comprends, je peux pas. Mais tu sens, il va soit tuer Eric, soit tuer toi. Donc... Non. Bah non, Thomas, il peut être safe là. Hein. Putain, j'en peux plus de vous deux. Carotte no Kyojin. Mais c'est surtout que comment vous allez faire pour vous en sortir après? Tu peux plus bouger là. Mais si, mais bien sûr que si, je peux aller là-bas. Ah mais non, là c'était ah non, c'était vraiment un tour dans le vide pour rien quoi. Mais oui. Mais je pouvais pas le toucher à distance. Mais t'aurais pu taper autre chose. Parce que là on est mort. Là. Ah oui, là on est dans la cacade là, oui. T'aurais dû le taper. Mais je pouvais pas le taper. Non, qu'il le tape, ça serait un peu con. J'ai parce que 5 PM, mais on aurait fallu 6. Il aurait bouffé soit lui, soit moi, et on serait morts tous les 6. Genre toi, moi et mes belles baskets. Tu lui enlèves 500 PV. Ah ouais, là, tu lui enlèves 500 PV, là. Ben non, parce que je suis bloqué derrière. Mais il a pas fait Pikachu. Ah ben, je pouvais jusqu'à ce que lui bouge. Quelle idée, mais quelle idée. Je relève un petit souci sur le stream. Oui.
Il n'y a pas Discord. Ah mince, j'ai oublié de le mettre. Pardon, c'est voilà, bon, il est affiché. Oh là là. Ah oui, j'ai oublié de l'afficher, mais quel imbécile. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, je vous mets ailleurs, là. Bon, à moins que vous soyez bien, là. Non, je vous mets un peu plus bas. En plein centre de l'écran, en gros, non. Trop tard. Non, merde. Non, c'est bon, je vais le mettre là-bas. Alors, on se décale gentiment. Hein. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. On va se relever un petit peu, là. Tic, 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 tic. Là, on est pas mal, là. Je sais pas ce que j'ai fait comme bruit avec ma bouche, mais c'était dégueulasse. Hein. Eh ben voilà. Eh ben bravo, Thomas. Mais quoi, j'avais pas ce PM. Eh, vous savez quoi ? D'un côté, je m'en fiche parce qu'on va pouvoir avoir peut-être un Pikachu. Alors, on clique pour reprendre là où on a quitté. Autrement dit, reprendre là où vous avez été vraiment nul. Attends. Là, je suis je suis devant le donjon, je refais... Ah, ah oui, d'accord, ok. D'accord. Voilà. Et on va revenir sur la salle où on a péri lamentablement. Ouais, Guillaume évite de foncer dans le tas, essaye plutôt de te cacher. Je vais essayer. Et le problème, c'est que j'ai trop réfléchi à mon tour, j'aurais pu me protéger, mais j'y suis pas arrivé. Ça m'apprendra. Ah là 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 là. Oh. Coco. Tu veux un gâteau? Tu veux un gâteau? Ah, je veux un gâteau? Je veux un gâteau maintenant. Ouais, moi aussi. À la noix de coco. Non. Ah, mais ils sont mieux placés là, ils risquent de moins nous embêter. Bon, si personne se met devant, tu peux rester là, Guillaume. D'accord. Comme puisque je vais bouger, du coup tu pourras t'avancer un petit peu. Alors. Crunch, crunch. Bon, demoiselle, t'as intérêt à faire Pikachu. Sinon, j'étais plume. Jeune demoiselle recherche un yop mortel. Pourquoi un yop qui saura lui donner des ailes? Non, non, les yop ça donne pas des ailes. Yop, c'est Red Bull, ça. Ah, Yop, c'est Red Bull. C'est Red Bull. Allez. Mais elle est pas gentille. Non, mais te mets pas là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais non. Ah, lui, il est pénible, ah. Par contre. Bon, bah, je vais crever. Pourquoi? Bah, parce qu'il l'a poussé dans l'angle d'un gloutovore. T'as fait un sort qui attire, Thomas? Non. C'est bon. Quoi? Mais oui, c'est fou! Le mec énervé, t'es. Quoi? Ah! Et moi, je sens le pâté. Alors attends, je suis là. Tu peux griffe joueuse à travers le mur. Donc je peux me mettre là. Oh là. Je peux faire ça. Ça. Alors dans l'exécution c'était bien, dans l'idée c'était pas ça. Il faut vraiment focus les gloutovores. Focus les gloutovores. Mais dans l'exécution c'était bien hein, d'avoir pensé à ça. Mais là il y avait plus urgent. Il y a l'idée, ça. Mais ça tombe à plat. Oh là là. Ah pardon, je crois que j'ai fait rater Nomad. C'est pas grave. Oui, ça c'est pas grave. Tu sais, quand t'es mort, t'as plus de pieds, hein. En même temps. À l'aide! À l'aide. Les bactéries débarquent. Le gloutovore, c'est le démon. Il y a un gloutovore. Non, mais il y a un gloutovore, c'est le démon.
Parce qu'il a 666 points de vie. C'est drôle. Valérie, là. Bobo. Il est trop marrant. Ah oh ben, il y aura deux morts et un blessé. Je peux être le blessé. Il faut tuer celui qui a 670 points de vie. En fait, faut tuer les deux, là. Hein, je pense qu'avec Guillaume, vous auriez pu les tuer les deux si t'avais oui, tapé dans le tas, Thomas. Foncez dans le tas et tapez-les. Vous pouvez les tuer, là. Il y a 5 minutes, t'as dit arrêtez de foncer dans le tas. Oui, mais... parce qu'ils avaient beaucoup de vie, là. Ils oh ont non, mais il a pris des PM. Il a pris des PM. Il a pris les PM. On est dans la merde. Mais non, n'importe quoi. On est dans la merde. Jusqu'au... Personne qui meurt à ce tour-là, si tu bouges. Ah. Adieu. Vas-y, tape le 666. Bah, pff, c'est quoi le sort? Il va tout régène, donc... Merde. Quoi? C'est pas le sort félincien, là, qui pousse les ennemis? Ah, putain, oh, c'est dommage. Purée. Parce que crunch. Bon, ben... voilà. Aïe. Eh, ma baguette, wesh. Ah, mais il m'a bouffé, du coup, il a récupéré sa vie. Oui. Oui. Ah. Oh, je vois. On est dans la mouise. Allez, moi je m'en vais. Bisous. Je m'en vais. Moi je m'en vais. Hein. Je prends mes cliques et mes claques. Je prends mes cliques et mes claques. Mais, il faut tuer le gros tovar. Je sais. Mais oui, mais ça lui enlève de la portée. Enfin, ça l'empêche d'avoir de la visée à Louis. Vous faites n'importe quoi en fait. Et on n'est même pas au boss. Parce que le boss, vous êtes pas prêt. Mais alors, vous êtes tellement pas prêt. Attends, mais il est tout seul ou il a des monstres avec? J'ai oublié. Il est tout seul avec. Non, il est tout seul. Oh, Pikachu, voilà. C'est oh Tokachu. Ah ouais, en effet. Il est trop moche. Il est trop drôle. C'est le mais Tokachu. Il a une voix de teubé. Bah écoute, en même temps, merci. Quand tu vois sa tête, le pauvre, il est pas aidé. Oui, on fait dirait du un mélange de Pikachu, d'un Kakatoès et d'une hyène du Roi Lion, quoi. De Ed. Ouais. On n'est pas gentil, on fait du body shaming. Non, mais je vais mourir, là, en fait. Ah ben là. Il y en a un qui crève encore. Mais quel salaud, mais... Mais moi, je veux pas mourir. Non. Mais non, mais c'était notre première source de dégâts. Mais qu'est-ce qu'il dit? M'entraîne à faire du Vianney. Ah bon? Dieu que j'ai mal. Ça sera une parodie, ça sera Vianney. Non. Tu vas là, tu fais l'IB et après tu vas là. Ouais, ou au pire, je fais des dégâts en fait pour essayer de le tuer. Genre ce qu'on s'était dit qu'on faisait quoi. Oh. J'ai oublié un sort. Oui, là, Thomas il le tue en fait, c'est bien joué de la part de Julien, n'est-ce pas? Oh non, il va tellement pas le tuer. Soigne-toi! Je peux pas. Je m'en vais. Je m'en vais. On est dans. On a fini dans la merde x2. Mais c'est bon, t'as 1400 PV. Et alors? Et si j'ai envie de me suicider, je fais comment? Eh ben, je peux pas. Mais bravo. Ben, bravo. Eh ben, c'est comme ça. Je vais sortir mon super sabre là. T'es prêt? Genre, pas de dégâts! Nul ce truc. Allez, d'abord sur Tofu et ensuite on a gagné. Encore. J'avoue, il nous a dépassé. Non mais. Oh. Ah oui, il y a des monstres avec.
Merde. Ouais. Bon, alors j'espère que vous allez bien écouter la strat parce que c'est voilà, pénible. Je vous explique la stratégie. Le boss a 200% de résistance dans chaque élément. Il va invoquer un Darkly Moon. Ce Darkly Moon va invoquer un totem à chaque tour. Ce totem va correspondre à un élément, soit air, soit feu, soit terre, soit eau. Et à la fin de son tour, il va aussi invoquer un glyphe sous lui. Le but du jeu sera de déplacer le totem pour le placer dans le glyphe. Donc pour déplacer un totem, il faut se mettre en ligne avec ce totem et le taper dans l'élément du totem. Si le totem est feu, vous le tapez feu et il va s'attirer vers vous. De combien ? Jusqu'à vous. Je crois que c'est... Il va s'attirer jusqu'à vous. Peu importe la distance. Petite astuce, si vous tapez le Darkly Moon, vous allez échanger de place avec lui. Ça peut être assez utile. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'aide pour la salle. C'est moi qui te l'ai renvoyé, il m'a aimé. Non. Bah, je dis pas non. Il y a des succès à faire dessus ? Malheureusement, oui. Mais je pense qu'on va l'éviter pour la première fois. C'est slash P pour la player, c'est ouais. Dans le groupe. Donc première chose qu'on va faire, on va pas trop s'embêter avec le moon, on va débarrasser les monstres. Donc il invoque un totem à chaque tour. Si au bout de 5 tours on a... et au bout de 5 tours, peu importe si on est déclenché d'un totem ou non, tous les totems sont détruits et il faut recommencer. Même si à premier, on fait dernier, tant pis. Si vraiment on a l'occasion de déplacer un totem, on peut le faire. Oui, avant. On va essayer tous les deux, je pense, parce que moi, vu que je suis j'ai des multisorts, on va essayer de le placer. Mais ouais, les autres, essayez de vous concentrer à tuer tous les autres monstres, sauf le Moon et le Darkly. Voilà. La start. Si tu veux suivre la start-up, la fameuse start-up de notre entreprise Yves Zoom. La start-up nation. Bon. Nos réfères. Notre référent. Non pas révérend. Notre révérend, loulou. Ok, j'y vais direct. Aïe. Bah, apparemment. Attends, juste 30 secondes, le temps que le monsieur ou la madame me dise qu'il est radis. Je comprends pas le nom du perco. Oui, d'Audemer. Quoi ? J'avoue. Oui, d'Audemer. Alors, du coup, est-ce qu'on peut. Parce que pour que ça rentre bien dans ma tête. C'est moi le Huppert. Coucou le Huppert. Oui. Dans ma tête. Oui. Vas-y, est-ce que tu peux re-expliquer ? Alors ? Donc, le Moon va invoquer un Darkly Moon. Ce Darkly Moon va invoquer un totem à chaque tour. Ouais. Et à la fin de son tour, il va invoquer un glyphe sur la case où il finit son tour, de la même couleur que le totem. D'accord. Le but du jeu sera de placer le totem sur cette case, sur ce glyphe, pour que le Moon perde des résistances dans cet élément. Donc, il va, par exemple, invoquer un totem rouge, et un glyphe rouge, ouais. Donc il va perdre des faiblesses en feu. Et donc, pour déplacer le totem, il faut être en ligne avec le totem et le taper dans l'élément feu pour qu'il s'attire vers toi. Ok. Bon, on va vous réexpliquer pendant le jeu, mais première chose, ouais. On vide d'abord les monstres. Après, c'est bon, vous avez des questions, des angoisses ? Des questions, des angoisses ? Est-ce que tout le monde est prêt ? J'ai décidé qu'on était. Non, première chose, on vide la map, hein, on laisse le Moon en dernier. Tant pis pour les succès. Hein. Je sais même plus s'il y a premier ou dernier avec le Moon.
Donc là, c'est vraiment c'est les mobs et le mou, donc le singe, on le laisse de côté ouais. pour le moment. Ouais, exactement. Le singe et son ombre. Tu vas vite voir que... D'accord. Ils ont fait un truc très drôle, hein. Ils se sont dit, on va faire l'ombre du moon. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a, Mota? Ah ouais, on va faire statue, c'est parti. Pas du tout. Et versatile non plus. Sinon, je joue pas. Donc là, il a invoqué le Darkly Moon. Le Darkly Moon va invoquer un totem. C'est un totem d'air. Il va se déplacer un petit peu, voilà. Et voilà, il finit son tour. Comme ça. Ouais. Et là, le but, ça va être d'échanger de place avec le totem pour le mettre à la place du Darkly. Mais on le fera après. Et du coup, tu veux faire coop, toi? Hein? Oui, lui, il pourra, mais... Là, ouais, on va essayer... Mais pourquoi tu le fais maintenant? Comme ça, ceux qui veulent taper R. Hop. Mais on avait dit qu'on vidait les monstres. Pourquoi on fait des strats si au final, personne n'écoute? En plus, surtout que la fourbasse et le truc qui colle, ils vont être relous. Mais quand je te dis qu'ils vont être relous, ils vont être relous. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas grave, on a un hypermage et... Hypermage, c'est fort. Et c'est quoi, hypermage, en fait, en termes de combat? En fait, en fonction... des éléments qu'il utilise, ses sorts donnent des effets en plus. C'est très compliqué de jouer Hypermage hein, en première quoi, classe. Je dis n'importe quoi, mais s'il lance un sort terre puis un sort eau, il va gagner de la portée ou des trucs comme ça. Oh, il va t'arracher la gueule en commentaire. Mais non. Non, mais c'est pour un ordre d'idée. Je te rejoins là-dessus. Après, enfin... Ok, où est-ce que je peux me mettre pour ne pas gêner? Enlève-toi de ma portée, de la portée du Hypermage, et on sera content. Alors, si je me mets là, c'est, bah, bon. C'est bien. Ouais, c'est très bien. Ça serait bien qu'on tue la fourbasse et le truc qui colle en premier. Parce que là, sinon, ça va être pénible. Et on remercie le bouclier. Ouais, merci bouclier. Merci bouclier. Alors, attends, d'abord. On va faire n'importe quoi, voilà. Bon, on va focus la fourbasse pour le moment. Ah merde. Et oui, dès que tu tapes le Dark Limon, ouais, j'avais oublié ça. C'est pas grave. Totem bouge pas, on est d'accord. Non, le totem il bougera plus là. Yes. On adore le truc qui colle. Normalement, la fourbasse, ok. Ouais. Moi, je vais m'occuper du truc qui colle. Hein. Si Louis, tu peux t'occuper des oiseaux. Ouais, ouais. Enfin, j'ai moins 100 PM, mais je vais essayer. Oui, mais t'es plus en ligne directe. Oh là là. T'inquiète. Et lui, il est pas affecté par le glyph. Ah, oh, bah non, c'est un allié. Bon, au moins, tu pourras le bouger. Je ne peux rien faire. Tu peux même pas coop ou transpo. Ah, oui, je suis pas en état pesanteur. Bah, oui. Tu peux pas choper mon piou là-bas, là ? Un piou. Mais quelle idée. Heureusement qu'on avait dit qu'on tapait le truc. Louis, excuse-moi, mais est-ce que tu te moques de moi ou... Je fais n'importe quoi. Ah oui, bah... C'est bien de s'en rendre compte. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, on est d'accord. Aïe, 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 quel enfer. J'ai dit que j'allais taper le truc qui colle et que lui il s'occupait des deux oiseaux. Ah. Ah, c'est à moi. Et oui, tu peux pas bouger, donc là, courage. Si tu fais du bon du félin, peut-être que t'auras 90 PM. Attends, fais bluff sur le Darkly Moon ou sur le totem, ouais. D'abord le totem. Je peux. Ah, si, Dostrogo, je peux. Non, tape le totem de l'eau. Il est où? Mais derrière le Dostrogo.
Voilà. C'est bon. Et maintenant, tu peux faire pareil, mais sur le Darkly Moon, pour pouvoir te dégager. Tu avances d'une case. Non, il merde. Il aura pas le temps. Tant pis. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Est-ce que si tu fais une libération sur un totem, il bouge ? Non, je crois pas. Hein. Tac. Tac. Ah, il est loin, mon piou, là. le problème, c'est que je pourrais pas toucher le truc qui colle. Ouais, je sais, mais j'avais envie de dire que c'est un piou. C'est mon petit piou, là. Le bruit du truc qui colle, non? On le fait pas? Notre pauvre Rupert Mage, deux fois qu'il est dans le glyphe, quoi. Mais bon, là, ça devrait le faire. Impec. Oui. Impec. Bah, il vide la map, hein. Eh oui, on a dit qu'on vidait la map. Une écoute, au moins. C'est pas une invoque, le Dostrogo? Non, mais il allait le dire, lui. Ah bon? Tu penses que c'est ça qu'il allait dire? Oui. Ah. Voilà. Deux glyphes rouges, mais... Oh, le rouge, c'est tellement pratique, là. Merci, Darkly Moon. Voilà. Encore une fois, on avait dit qu'on vidait la map, mais bon. Il y en a une qui juge que... Elle fait ce qu'elle veut, parce que, bitch, please, I'm fabulous. J'ai des plumes sur la tête, je fais ce que je veux, d'accord. Bah, le carnaval de Rio. C'est moi le chef de la tribu. C'est ça, c'est moi le chef de la tribu, je fais ce que je veux, fermez là. Ah, tiens, voilà, Pikachu. Ah, il est tellement moche, le pauvre. Par contre, j'ai ramassé, là. Moi aussi. Soignez-moi. Quoi? Mais j'ai pris moins de 12 000. Ah, j'ai pris des dégâts. Oh, la vache. J'ai mangé 20 000 dégâts de poussée. Bon, bah, courage. Vous avez personne pour taper. Merci. Non, je crois pas, non. Non, vous allez y arriver, là. Il y a déjà deux totems qui sont placés, mais bon, dans deux tours, ils vont être... Ça va être deux. Quoi ? Le moon, il va peut-être me tuer. Tu penses ? Non. Guillaume tape le totem. Ah bon ? Le totem ? Allez, le totem d'abord, et après le totem. Mais le totem, en fait, dans deux tours, ça va être reset, donc... C'est pas grave, au moins. Voilà. Ok, et maintenant ? Bah, le Dostrogo. Tue le Dostrogo, le bleu. Moi je trouve que placer les totems c'était une perte de temps et de peur. Ok, et maintenant essaye d'aller taper la demoiselle. Si tu peux, demoiselle. Tu peux soigner ouais. Au pire. Non, il pourra pas soigner. Non, je peux pas. C'est pas grave, au moins tu t'es rapproché d'elle. Bon. Salut Draken sur le chat. Salut Draken. Bah là, Looper Mage, le petit, il peut taper le Moon en fait. Le Moon est d'aussi loin ? Bah, je sais pas. Je fais quoi là ? Slash P tap Moon. Il a pas de sort de soin. Je crois pas qu'il ait des sorts de soin. De souvenir, je crois que non. Le Looper Mage, il a pas de soin. Ah bon ? Je crois, ouais. Enfin, du moins, j'en ai jamais vu un soigné. Donc, à part peut-être, tu savais, les baguettes, tout ça. Là, mais... Peut-être à haut niveau, je pense. Mm. Oh, il me tape pas. Cool. Tu veux que je vienne vers toi, lui, ou pas ? Les deux oiseaux vert et jaune, on est d'accord, c'est des invocations. Ouais, c'est pour ça, si vous pouvez... Si vous pouvez, tuer la rose, okay. C'est cool. Mais je peux te donner 450% du niveau en bouclier. Ah, mais là, le problème, c'est les invoques. Si elles vous poussent, vous allez morfler. Est-ce que le Dark Moon est considéré comme une invocation ? Oui. D'accord. Non, mais Draken, d'où tu dis que c'est mal parti ? On va très bien s'en sortir, t'es ? C'est mal pastis. Il y a un sort air qui heal en fonction des dégâts, mais je suis feu. Ouais, mais c'est pas grave, Spags. T'inquiète pas. On va s'en sortir. C'est bon, je me suis soigné. C'est juste qu'au moins, j'ai ramassé gratuitement, mais c'est pas très grave. Oh oui, approche-toi, toi. Oh oui, ne fais rien. Oh oui, approche-toi, toi. Moi, je comprends plus rien. Ah, t'aurais peut-être dû taper le moon. Vu les dégâts que tu fais de loin. Bon, là, Jake, tu mets tout sur le demoiselle, hein, et tu me la tues.
D'accord. Tu te débrouilles, mais tu la tues. Bon, tu la tues pas. Mets ton ratoni. Non, je pense pas qu'il la tue. Parce que s'il crit, ça fera moins de dégâts. Voilà. Dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah là, de toute façon, Spax, tu peux toujours taper le moon, hein. C'est le plus intéressant. Ou tu vires une invoque, parce que le Dokachu, il est un peu pénible. Mais... Oh, non, c'est bon, j'irai le tuer, je pense. Ouais, tu vas le tuer. Ouais, oui, tape le moon. Attends, mais vu qu'il est sur le... Vu qu'il écoute le stream, pas, ouais. Il a entendu. Bah, le temps de réaction sur Dofus, comment dire, pour faire toutes nos actions, je le trouve bien assez court, en fait. Bah, c'est parce qu'il faut réfléchir à ce que tu fais avant que ça soit ton tour. Et je vais essayer pour lui, s'il demande ce qu'il doit faire, de lui dire avant son tour. Genre quand c'est le tour de Thomas ou quoi. Vu que vous êtes trois à jouer, vos actions, elles impactent peu sur les autres joueurs. Donc ouais, je vais essayer pour lui de... Je termine le Doma... D'être un peu plus clair. Soit tu finis le... Ou alors Jake... Ouais, non. J'aimerais bien que Louis tape le Moon, là, parce que... Ouais. Il y a 2000 points de vie enlevés. Ouais, alors, attends... Ouais, mais du coup, je peux pas taper le moon si Louis est au milieu. Je sais. Mais il risque de changer de... Ah non, il risque de changer de place avec le Dolivar et le Dokachu. Il risque même de mourir à cause du Dokachu et du Dolivar. On va voir. Qui mourir? Toi. Qui? Moi? Oui. J'ai 1800 PV. J'ai pris du 1000. J'ai pris du 1000 à cause des dégâts de poussée. Je crois que le Dokachu, il te met un debuff de dégâts de poussée et j'ai peur que là, le Dolivar, il te pète la tronche. Oh, ça va. Ça a été cool. Bah ouais, Imagiro, tu vas taper le Moon. Pas terre. Mais pas terre, ouais. Tu pourras pas le taper terre. Ensuite, Jake, tu me finis la demoiselle. Et Spax, tu taperas le Moon, tranquillement. Alors, tu vois, Draken, c'est mal parti. Attends, c'est pas fini. Hein. Oh non, mais si, c'est fini largement, là. Vous êtes tranquille. Même si les totems, ils partent, vous êtes tranquille pour la suite. Regarde, déjà, un nettoyage, quoi. Ok, et maintenant? Eh ben, si tu peux te rapprocher du moon, rapproche-toi du moon, tout va bien. Puis pas que si tu le... Enfin, il tape le moon et on est tranquille. Non, franchement, c'est tranquille. Je vois rien. Ah, mais il y a un trou devant. Ouais. Mets-toi en mode créature. Ouais, c'est bon. On va te mettre... La caoutte. Ah, peut-être qu'il lui fait du 900, du 800. Hein. Qui sait? On connaît pas les dégâts. Si, c'est bon, il l'a tué. Oh. Oh. Le coup critique qui fait même pas planter Eh ben, impec. Impeccable, merci Spax. GG. Merci beaucoup Spax. Impeccable. Bon, attendez avant d'appuyer n'importe où. Parce que je crois qu'il faut lui parler, c'est ça? Vous parlez. Il nous faut pas des bananes après? Plus tard, c'est pour une autre quête. Lui offrir la racine lunaire de Jinsen Goku. Quittez pas l'arbre, vous lui offrez la racine. Ouais, faut lui offrir la racine. Dire qu'un Dokoko vous ferait très plaisir. Oh, ça, oui. Oh, ça, le Dokoko, Dieu sait qu'il est utile, même au niveau 200. Impeccable. Et on peut quitter après l'arbre de Moon. Ok. Ah. Et on a un nouveau Dofus. Ouais. Ouais. Plus que 20 000. Est très intéressant. Je conseille. Merci, bonjour à toi, Spax, et merci d'être Spax, passé sur le stream, ça fait plaisir. Ciao, ciao. Alors, je regarde ce nouvel œuf, du coup. Ah, il nous a suivis. Dring, dring. Ben, merci. C'est cool. Merci. Et n'hésite pas à en parler autour de toi. Merci, c'est gentil. Bonne soirée à toi. Alors, Dokoko. Le Dokoko est très fort. Tours à partir du coup. Ah, c'est un truc qui heal. Ah, c'est très, très fort. C'est très 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 fort. Tous les 3 tours à partir du 4ème tour en 10%. 10%. Ouais. Purée. Il est vraiment fun. Mais on l'équipe par rapport à autre chose ou pas? Bah pour l'instant j'ai envie de dire non. Parce que vu les combats qu'on fait et que l'on va faire,
On va pas en avoir l'utilité maintenant. Vaut mieux qu'on reste sur le stuff que nous a fait Louis. D'accord. Ouais. Je pense que ça sera utile, mais qu'on fera des gros donjons qui peuvent être beaucoup plus tendus. Celui-là encore, ça va. Mmh. Même si apparemment, on était mal parti. Mais non, en vrai, ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, mais il nous reste encore deux quêtes sur l'île, et puis on a terminé. Alors, île de Moon, qu'est-ce qui vous reste? Est-ce que tout le monde a fait le radeau ivre? On est idiots. On est idiots. On est vraiment deux idiots sur Dofus, quoi. Mais on réfléchit de la même façon. Mais oui, mais on est complètement bêtes. Bon, déjà, est-ce que tu nous donnes les bananes? Attends, il a parlé du radeau ivre. Le radeau ivre, je l'ai en... check. Bah oui, le radeau ivre, on l'avait fini, non? Tout le monde l'a fini, ça, non? Oui, d'accord. Je crois. Bon, mais c'est pour savoir, je demande. Hein. Bah oui, on a fini le radeau ivre. Est-ce que tout le monde a fini le combat des chefs? Non. Non. C'est une BD d'Astérix, ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que tout le monde a fini bas les masques? Attends, combat des chefs? Combat des chefs, on doit le faire, hein, normalement. Hein. Trouver le caniboule au masque bleu. Impeccable, j'en suis là aussi. Moi aussi. Et... bah les masques, c'est bon? Oui, bah les masques, on l'avait tous validé. Et serrons-nous la main, c'est ça? Serrons-nous la main, faut trouver le crochet du chouk. Ok. Serrons-nous la main, trouver le crochet du chouk. Eh ben voilà. Moi, il me reste que ces deux-là. Donc le... caniboule au masque bleu est sous le donjon caniboule. Sous le donjon... Et si tu crois que c'est... En vêtement oh, mais... J'en peux plus. Ça me fait trop rire, moi. Juste où ça répit. Après l'étagère. Avec la voix de Navi, là. Je sais pas. Non. C'est toute la musique, je pense que c'est non. Je peux pas trop faire de nuances dans cette voix, c'est le problème. Hannibal et Mick. C'est pas très cool. Se défendre contre l'attaque. On va attendre tout le monde. On va faire attendre. Tout le monde est là? Allez. Quelqu'un peut lancer. C'est bon. Image d'Hero a lancé. Mince. Ah ouais. J'arrive. J'ai fait s'enfuir. Je suis un peu bête. Attendez. Ne lancez pas. Ok, c'est bon. Il n'y en a que 3? Ouais, on va faire un accourette. N'oubliez pas que le vert renvoie des dégâts pendant un tour. C'est un combat de quête, c'est pas besoin de faire les... Bon, bah en fait, le vert ne renverra rien du tout. Ah, finesse. J'ai oublié de vous dire. Oh on sort. Ah bon? Ah bon? Ah oui, marteau de... Ah oui, le ah marteau oui. De Moon. Est-ce que c'est utile? Idney. Pour toi, c'est pas Eric. Oh ça, oui, c'est vrai, ça tape R. C'est vrai que ça fait des bons de gars R, mais ça prend quand même 6 PA, donc ça me fait un peu suer, quoi. Ouais, déçu. Ça prend 6 PA, le marteau, regarde. Enfin, regarde pas là, mais. Genre là, j'ai juste fait un corbeau, quoi. Vlu. Cette animation du corbeau, elle est trop drôle. Ah, ben, ça a pas validé. Ah, moi, ça a validé. Oui, c'est normal, c'est toi qui as lancé le combat, encore heureux, j'ai envie de te dire. va falloir qu'on le fasse 3 fois encore le combat. C'est le combat contre lequel? Tous, en fait. C'est, il faut se défendre contre l'attaque. Et... Si on parle à 1, en fait, ça nous lance le combat des 3, c'est ça? Ouais. Oui. Ça se fait en solo ou pas? Je pense, oui. Largement. Oui. Bon, bah, d'ailleurs, t'as raison, on va le faire en solo. Ouais, un peu. Au pire, je te rejoins, Jake. Comme tu veux. Fix
Pikachu. 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 Bah, il aura pas fait non plus. Voilà. Ah, il s'est mis. Ah, il a mis un peu. Dommage. Viens par ici, toi. Allez, moi dans un tour, ils sont morts. Hein. Mince! Bon, mais dans un tour, ils sont pas morts. Oh, fini. Parce que le caniboule, il a fait son sort, mais genre deux tours après. Il a fait tour 3, sa vilaine méchanceté. Demain, j'ai terminé aussi. Là, 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 là. Beaucoup de caniboules bleues, là. C'est quoi ce bordel? Cachez-vous, les javes. Examinez le colis. Donc, j'imagine que c'est un des objets de quête. Pas du tout. Non, c'est un objet sur la jarre. La jarre, oui. Jean-Michel. Là, Jean-Michel. Ah oui. Gobagroom. Ouais. Et après, il faut aller voir Cannibal Gour. Il lui a amené le colis. Et des bananes agrumes. Faut aller en haut à droite. Et ouais, faut des objets. Banane agrumes. Ouh. Banana. Ne me demandez pas pourquoi. T'en avais deux, ça? Oui, moi j'en ai deux. Quatre. Je te remercie. Rapporter 8 banana agrumes et 4 œufs de doudoune. De dodoune, pardon. Ah mince, on les a pas, les œufs de dodoune. Non, c'est des objets de quête. Oh non! Il va falloir farmer. Oui. Toi, tu valides? Ouais. Pourquoi tu veux faire un échange avec moi? Ah, flûte. Je pensais que c'était... Enfin, quand même, il y en a un rouge et un jaune. Vous êtes tous les deux jeunes. C'est pas vrai, ça. C'est raciste, hein. J'avoue. Non, non. Alors, dodo. Strogo. Ah non, c'est juste d'ostro. Je regarde le pourcentage. Non, non, ça se drop pas. Bah, faudrait savoir. Ah bon? Ça s'achète? Donc, faut monter d'une map. C'est des objets cliquables? Oui. D'accord. Mais attention, ça peut lancer un combat. Ouh. Ah! Yes! J'adore ma chance! C'est vraiment insupportable, ce jeu. Le dessert. Tout le monde a... C'est pas con, quoi. Et comme vous êtes des petits gourmands... J'ai rapporté le dessert. Mais c'était pas une idée de l'opier. Mais oui, mais non. Mais la pire phrase. Mais c'est oui ou c'est non. J'en sens déconner. Ah, con, ça, là. Pourquoi elle a écrit son prénom? Non. C'était quoi ce bruit? C'était quand tu vomis en soirée. Le vomi de soirée, il fait... Mais c'est tout. Il fait pas d'autre bruit, il fait vraiment ce bruit. C'est d'ailleurs comme ça qu'on sait qu'il faut retenir les cheveux des gens, c'est dès que t'entends... Ne buvez pas, c'est pas bien. On est complètement bêtes.
Oh, punaise. C'est bon, il est mort. Moi aussi. Mais oh, on est tous là. Mais quelle est la prochaine carte? Vous allez... J'ai rien à gagner. Gauche en haut. Pardon? À gauche en haut. À gauche en haut. On a pas eu à gauche en haut, on a dit. Ne m'engueulez pas. Il faut cliquer sur l'œuf et ça te le ramasse forcément, en fait. Sauf que ça peut lancer un combat ou pas. Oh. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que si on lance le combat et qu'on gagne le combat, on n'a pas l'œuf à la fin. Non, parce que tu l'as avant de faire le combat. Hein, tu gagnes l'œuf, puis ça lance un combat ou pas. Eh, super, on a su de la chance. Neuf. En haut à droite. En haut à droite. À droite, en haut. Attention, ne cliquez pas sur le bouton vert. Je vois pas où est-ce qu'il faut cliquer. Okay. Ah ouais, ouais. Cher. Tu l'as pas eu? Oh putain. Combat. Yes, ça m'a pas lancé de combat. Mais moi non plus. Viens, on s'en va. Quoi? Et après, il faut aller juste à droite. Oh, j'ai pas eu... Ah, si. Je suis très déçu. Quand tu l'as dit, je disparaître. Ouais, mais... Il est venu après... Oh là là, mais il a 2200 points de vie. Il faut se calmer, oui. Tu vois. Non. Je ne suis pas d'accord avec la politique. Tu vois, là. Madame Zozoa. Oh là là, il a pris un double critique dans la tête, là, il a pas compris. Il en faut combien des œufs? 4. C'est tout, après c'est fini. Ok, donc il m'en manque un, du coup. Qui est à droite. Juste à droite. Juste à droite. Juste à droite. Oui, juste à droite, et il y a un gros, gros nid. Avec un combat, ou pas. Et voilà le rail. Et le combat. Moi c'est bon, j'ai terminé, je vais rendre ma quête. Allez, au revoir. Il y a un mec qui s'appelle Par A C'est un mol. Allez voir Go Back Room. Yes, j'ai gagné des poupées. Je suis heureux. C'est une poupée de cire, une poupée de son. Ah, j'avais plus le c'est une poupée. Une poupée hein, oui. Qui fait non, 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 non et renom. Ça fait mal. Bien joué. Donc là, on revient au point de quête, c'est ça? Oui. Au grand chaudron. Le grand pot au feu. C'est ça. Donner les ingrédients, répondre que tout est là, remercier le cannibale. Go Back Room, lui dire qu'il est hors de danger, bonne chance. Quête terminée. Ensuite, trouver le crochet du chouk. Il faut retourner dans le... dans la caverne en haut de l'île. C'est on y va. Au crâne. Hein. En haut. Crâne. Lequel? En haut. Tout en haut. À la droite. Bateau du chouk. Oui, c'est exactement. Sinon, sinon quoi. Exactement. Tout à fait, Thierry, tout à fait. T'as une question pour les gens qui regardent, notamment Draken, si t'es toujours dans les parages sur le chat.
dans le nord, vous dites chouquette. Enfin, est-ce que vous connaissez les chouquettes ou pas? Non, ils disent petit chou avec du sucre. Non, je demande sérieusement. C'est non, non, je crois que chouquette, oui, par contre. Ouais. Oui. C'est jamais. Non, non, je crois vraiment que chouquette, oui, c'est. C'est acté un peu partout, voilà. Et on va dans la caverne ou... Oui, vous allez jusque la map juste avant le donjon. Ah, juste avant. Non, faut rentrer dans la caverne du crâne. Hein. Ah. Ok, là je suis devant le barateau. Louis, tu le suis ou pas? Ou tu es déjà sur place, toi? Je suis sur place. Ok, je vais chercher. Jacques. Mais Guillaume, tu peux téléporter avec le mariage. Même dans une caverne comme ça? Normalement, oui. Attends, c'est social. Non, c'est dans caractéristiques. Tu vas dans caractéristiques. Il y a un petit cœur. En haut à droite. Ah, mais d'ailleurs, j'ai pas mis mes points, moi. Rejoindre. Oui, voilà. Bon, bah, je suis allé chercher pour rien, génial. J'adore ma vie. Ok. Faut cliquer sur le squelette de poisson. L'espadon. J'ai perdu ma vie. Ok. J'ai perdu mon temps. Non? Ça non. Te dit rien. Et on peut retourner en 35. Attendez, j'ai pas fini, moi. Faut faire quoi? Tu cliques sur le squelette d'espadon. C'est où la sortie? C'est là. Ah, mais il y avait plein de gens devant, d'accord, j'avais pas compris. Plein de gens devant. Qui gêne l'espadon. Je sais pas. Moi, ça me va. Lalihou. Tu peux téléporter sur moi si tu veux. Ah bon, c'est pas. Je crois qu'il y avait une limite. Non, c'est illimité. L'amour n'attend pas. Ok. Je parle à Aventurier Maudit. Oui. Je lui donne le crochet du chou, quoi. Oui. Et dis-moi. Quête mise à jour. Allez voir qui cause. Et tu vas en 33-4. Et ding ding ding, les petits. Les petits succès. Amélie. Amélie. Hop là. J'ai envie d'une boisson chaude. J'ai envie d'une boisson chaude. Yeah, tu t'es déverrouillé, t'as le look coco. T'as le look coco. Oh, un nouveau titre, trop stylé. Ouais, trop bien. Non, un ornement. C'est un ornement. Non, un titre aussi. Ah bon? C'est un ornement, t'as le look coco. Il dit n'importe quoi, vous mais avez non, mais vu, mangeur de banane agrumes. Je suis fatigué, d'accord. Ça veut dire on fait une pause de... 5 minutes, de temps que je me fasse une boisson chaude, en vrai. Ok, mais tu vois, ça vous tente de pause. Mais oui, je vais le mettre. C'est juste que je demande si c'est acté ou si on continue de suite. Avant... Juste avant. Oui. Là, donc là, on vient de faire le donjon de Moon. Oui. Là, on enchaîne avec le donjon du Carnosaur, c'est ça? Normalement. Oui. D'accord. Oui. Tu peux lancer la pause. C'est pour que moi, je gère les découpages. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, je lance la pause, alors. À tout à l'heure.